Hello tout le monde, c'est Humility, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui les amis, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de Colisium avec ma petite team niveau 150. Je me suis dit que c'était l'occasion un petit peu, j'y ai joué, j'ai fait quelques petits combats avant. Et c'est vrai que comme on a fait pas mal d'Ouginac, de bêta, etc. Je me suis dit que ça pourrait être pas mal de changer un petit peu, de faire des choses un petit peu différentes. Bon, alors je pense que je vais me faire rouler dessus les amis. On a du level 194, 177 et 178. Et T1, il peut déjà me frapper. Donc c'est pas ouf, mais qu'est-ce qu'on va faire nous? Il a rien derrière, il a pas mis de boubou ni quoi que ce soit. Bah écoutez, je pense qu'on va, on va frapper hein, en vrai. On va frapper. On n'a pas vraiment le choix hein. Hop. Voilà. Et je pense qu'on va flou. Flou et fuite. Faut que je vienne en fait avec, avec mes persos là. Malheureusement je vais me faire rusher en plus par l'hélio, etc. Donc voilà, c'était dur. C'était difficile, je pense qu'avec mon Uppermage justement, je vais rusher sur son Uppermage. Bon, moi qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire deux rushs. Est-ce que j'ai moyen? Oh là 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 là. Mes points de vie. Mes points de vie. Est-ce que ça passe ça? 4, 2, il me reste 1. Je pense que ça passe hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop là. On reste sur le portail. Parce qu'on peut pas se permettre autre chose. Quoique j'augmente peut-être la puissance. Alors qu'est-ce qui vaut mieux les amis? Rester sur le portail ou augmenter les dégâts? Je dirais rester sur le portail. Parce qu'augmenter 150 de puissance, c'est pas forcément obligatoire. Oh putain, je me fais rouler dessus. Bon, moi ce sera du rush des deux côtés là. Bon, comment je vais faire pour le sauver? C'est bien beau tout ça, tout ce qui se passe ici. Mais comment je vais le faire pour le sauver? Je vais faire forcément un bouclier élémentaire. Je pense en plus c'est pas obligé, il pourrait aller sur moi. Il pourrait décider d'aller sur moi. Il se roue et tout. Oh là 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 là. Pouf, est-ce que je lui débufferai pas sa roue moi? Ça c'est pas si dégueu. Ouais, c'est pas si mal ça. J'ai pas vu ce qu'il avait tapé comme élément, faut que je revienne. Il a tapé à glacier, il a tapé eau. Ok, donc on va lui retirer de l'eau. On va forcément lui retirer de l'eau, nous. Est-ce qu'on ferait glacier? Ça taperait l'autre pour rien. On peut faire glacier, en vrai. On va faire glacier, je pense. On va faire glacier, je vais faire un bouclier élémentaire. On va faire un drain. Ça, et la contrive ici. Voilà. je lui ai retiré quoi, du coup? 200 chance, et du coup... Le Xel peut peut-être faire un truc, hein. Peut peut-être vraiment taper fort, même sur du 40% avec les résidus. Ou alors, plutôt aller sur les cas, je ne sais pas. Ok, une empreinte. Ok. Ça va être rapide ce combat, les amis, hein. Là, c'est sûr à 100%. Ça dépend en plus où il finit, parce que derrière, moi, je peux faire des choses vachement intéressantes, je pense. Que je vais contre, je vais contre. Je pense que c'est le play, là, de contre. Faut jouer vraiment sur les dommages. J'ai perdu combien? Ok. Donc là, c'est le contre. C'est... j'en sais rien. S'il faut protéger... Ouais, je vais protéger le... C'est volontaire, les amis. Je vais protéger l'Eka. Enfin, de l'Eka. Hop. Hop. Je vais faire momie. Ralento ou fuite? Ralento. Moins 1, ok. Ok. C'était voulu, hein. Je voulais vraiment protéger l'Uppermage. Parce que je me dis que l'Eka lui roule dessus, en fait. Et que moi, avec le Zobal, là, je peux taper très fort. Donc voilà. Donc c'est ce qui va se passer, je pense. Je vais rouler sur l'Eka. Qui va chance ce tour-là. Ou alors je mets la pression sur l'Upper pour qu'il choisisse de chance autrement. Ouais, je me suis bien placé. Il va brimade. Voilà. Non, je me suis bien mis, là. Je suis plutôt content. Nous, ça nous fait quoi, alors? Il va taper qui, alors? Il va mettre un portail plus loin pour taper à travers avec audace. Ou non, deux petites brimades, ok. Pas trop gênant en vrai. Ce serait bien qu'il ferme le mien là. What? Il a tapé son pote? Attendez, 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 attendez. Je le finis? Oh! Je le finis peut-être, hein. Non, je le finis pas malheureusement. Oh, fais chier.
vais maîtrise pour le prochain tour. Bon, du coup, lui, il pourra pas mourir. Il sera mort au tour de Looper prochain. Donc, est-ce qu'il va falloir faire ce tour-là? Faut que je réfléchisse, en fait. Je vais devoir réduire les dégâts, je pense, de Looper. Donc, ça veut dire jouer O et R. Il se chance forcément, de toute façon, parce qu'il sait qu'il est dans la merde. Qu'esprit sur qui? Ouais, le contre derrière qui le soigne, ça, c'est chiant. Ouais. Ouais, c'est problématique, là. Donc là, on a quelques runes. Ouais, c'est chiant. C'est chiant de ouf, là. Oh là 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 là. 700, il s'est soigné. C'est pas vrai, ça. Est-ce que c'est une rune, ça? Oui. Du coup, traitement runique, oui. 230. Il a fait... Attendez. On peut le passer en état haut. Puis re-haut, donc ça lui retirait. Puis haut, puis R. On veut vraiment réduire les dommages. Voilà, et on reste au corps à corps, bien évidemment. Nous, notre but, là, c'est de tuer Looper. Ok. 12. Même avec la réduction, est-ce qu'il finit? Je suis pas sûr, en fait, avec la réduction qu'il finisse. Je lui ai enlevé 200 O, 200... Ouais, 200 O seulement. Vous voyez, la réduction de dommages, là, elle est hyper importante. Hein. Ça paraît vraiment pas comme ça, mais au final, elle est essentielle, quoi. Et du coup, bah, c'est là où tout va se jouer, quoi. Tout ce tour-là... Ça va faire la diff, quoi. Ok, bouclier. Donc, de toute façon, il est déjà à 50. On s'en fiche. Je fasse gaffe quand même, mais. Oh là là. Avec les petits contres qui se prend dans les dents. Boum. Boum. Est-ce que je me casse? Est-ce que je me casse? Qu'est-ce qu'il a, l'autre? Je considère qu'il me tue pas. Je vais me mettre là. Je considère que l'Helio me tue pas. Les 4 de toute façon. Ça va donner quoi là sur le. Faut que je réfléchisse. Qu'est-ce que ça va donner? Ce tour là. Bon, ça c'était nul. Ah oui, qu'il veut rentrer. Ah, il tue alors. Avec double brimade. Ouais, il le tue. Ok. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on fait ce tour là? D'accord, il cac pour les crits au prochain tour. Nous, on sait qu'on tue les cas, donc nous, il faut 10 frags, peu importe ce qui se passe. Il faut 10 frags. C'est obligatoire. Pas besoin de trans. On fait pleutre. Non, faut qu'il reste. Faut qu'il reste près de nous, les cas. Donc on fait pleutre. Torto. Et une caouette derrière nous. On peut pas, merde. Un chaffeur. Un chaffeur, de ce côté-là. Pas de crit. Ok. On n'est pas si mal. À ce que là, il va contre-coup, mais il a esprit. Du coup, si contre-coup, voilà, il perd. Et nous, on donne tout ce qu'on a. Là, il va sûrement esprit nouveau, son chaffeur. Non, il va taper. Ok. Bah, je pense qu'on gagne sur ça. Bon, c'était presque du Colly Rush, là. Je suis super content. C'est... J'aurais jamais pensé, parce qu'ils sont 177, 194... Oh, attendez, c'est pas gagné quand même, c'est pas gagné, mais je pense que je gagne sur ça. Parce que là, je vais tout donner, de toute ma vie. Ah, ça dépend ce que fait le chaton. Quoique, non, ça dépend pas ce que fait le chaton. Vu que là, c'est ça. C'est drain. Un gros drain des familles. Et double stala. Attendez, ça l'a pas debuff? Alors dans ce cas-là, c'est ça et contrib. Ouais, c'est ça et contrib sur qui? Sur moi, je dirais. J'ai moins de vita. Fait 600 de bouclier. Il pourra peut-être me sortir le Zobal du tas. Zobal fait un coup et c'est fini. Hein. Même s'il le soigne et tout, il est pas en état portail. Ah. Ok. Il va vraiment le brimade dans le portail? Putain, s'il ferme pas celui du haut, je rentre dedans. Ok, donc d'accord, il s'est complètement trompé. Il a fermé celui-là, je crois pas. Ah, si, il l'a fermé. De toute façon, on fait...
des bandades. Il me reste 7. Masque. 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 Faut que je vérifie. Appui. Ouais, ça va, ça passe. Donc masque à toujours au début pour voir à combien. Et 700. Non, c'est appui qui passe. Voilà, super. Ok. Donc c'est pas fini parce que là il risque de faire très mal sur mon petit. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va. On va le mettre R. O. O. Pour réduire les dommages. Là on veut vraiment réduire les dommages. Faire un petit soin et un drain par la suite. Le drain agit, je pense, pour que le prochain tour est plus intéressant. On lui met des patates là quand même. On lui met des bonnes patates dans les dents. Ah, oh, je suis super content de ce combat. J'étais sûr de me faire rouler dessus et au final, ça s'est beaucoup mieux pensé que je. Ah, même si c'est pas fini, ça s'est beaucoup mieux passé que je ne pensais. Voilà. Il va mettre le deuxième portail pour écarter totalement. D'accord, ok, non. Il écarte pas du tout le. Parce qu'en fait, s'il ferme. Il peut pas fermer les trois, il faut qu'il repose un portail en fait. Moi, je serais lui, j'aurais. Quoi? Mais what? Mais mec! Ah, d'accord. Bah ouais, mais ça changera rien. Là, c'est. Parce que ça ouvre le portail en fait derrière. Donc c'est Masca. Est-ce que c'est Plastron ou pas? Non, je sais ce que c'est. C'est Bolish. On rentre. Il nous reste 2 PA, donc on peut faire 2. Masque. Ça, on vient là. Ok, parfait. Bon, là, je pense pas avoir trop misplay sur ce tour-là. Parce que je m'écarte, en fait, des portails quand même un maximum. Et donc, du coup, en fait, là, je peux re-rentrer dans le portail avec Looper. Ce qui veut dire que je peux le mettre en état... Donc là, je pense qu'il faut R, Drain, Runi, O. Voilà, il faut vraiment... Toujours réduire les dommages, je pense à tous les tours maintenant. Il va me libérer peut-être. Ok, il va peut-être rentrer dedans. Donc je le mets à 1007. 1007, j'ai pas d'héros. Hein. Donc là, il faut faire super gaffe à ça. Mais je lui réduis les l'air. En fait, je lui vole de l'air, comme ça il tape beaucoup moins fort. C'est vraiment mon souhait là, sur ce coup-là. Par contre, il ferme pas ce portail là, je comprends pas. Ok, continue à taper sur celui-là. Donc là ce sera un rush, rentre dans le portail, je finis là-haut. Non, il ferme, donc je finis là. 1, 2, est-ce que c'est vraiment ça le play? Est-ce que c'est vraiment ça le play? Donc nous on a quoi? Je pense que le play c'est pas ça, c'est ça. 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 Et je reste plutôt loin des portails. On est pas mal. On va pas bouger. Pas rester en ligne bizarrement. Et du coup, nous, on rentre dedans. Zobal est pas trop en danger. On n'est pas vraiment en danger du côté du Zobal. Et là, on recontinue. Tac. Poudrin. Et là, on n'est pas obligé. On peut continuer à glacier sur ce coup-là. Et... Éther, derrière. Ouais. Donc il a 150 points de vie et on réduit toujours les dommages. Donc on est bien, quoi. On est bien. Ouais, je suis content. Putain, je suis trop content. Ah là 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 là, ce combat qui fait vraiment plaisir. Du coup, non, franchement, ça fait plaisir. En plus, je laguais et mon adversaire aussi. Enfin, mes adversaires aussi dans les combats d'avant. J'avais fait quelques petits combats, j'en avais filmé un, et mais ça laguait, du coup j'ai dû annuler. En plus il était super sympa et tout, on a discuté, il jouait une compo plutôt cool. Donc ouais, mais comme on laguait tous les deux, je me suis dit, je vais pas faire la vidéo où on lag, ça serait dommage. Bon, puis le temps que je dois reprendre la petite team en main, là je suis content. Je suis content, ouais, le potentiel de Looper est tellement, tellement fort, je trouve. En fait, il y a un potentiel énorme sans qu'il soit abusé, quoi. J'aime bien cette classe, j'aime vraiment bien cette classe. GG, bonne soirée. Bonne soirée. Ah, mais voilà. Ok, et on va tuer avec une boliche et... Voilà, c'est tout.
Eh ben c'est cool, hein. Putain, je suis content. Je n'en reviens pas, les amis. Ils étaient quoi, 194, 177 et 178. Bah rejeter un quoi et voilà ça s'est fait. Ouais je suis plutôt content, satisfait. J'espère que vous aussi vous avez passé un bon moment. Vous êtes content d'avoir vu une team un peu plus haut level se faire casser la gueule. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît, ce genre de petite vidéo. On se retrouve sûrement ce soir en live et puis sinon on se dit à très vite pour de nouvelles aventures. Je vous aime, bye bye tout le monde.